Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, c'est jeudi 11 janvier 2024. Bienvenue dans le journal. Puis, vous pouvez vous pour nous développer pour dans le journal ça, actualité à sous-plan national. Gros mouvement t'emmène en ville en Jérémy jeudi 11 janvier a et bien plusieurs moun en sorti tout côté pour porter solidarité yo manifester pour ensemble avec mouvement Guy Philippe là qui c'est libération pour Haïti et bien yo tout temps t'es manifesté ville ça nous connaît très bien en dedans Pestel c'est côté que Guy Philippe lui-même li sorti et bien tout monde t'es sorti tout côté pour comment que yo capable faire yo sel pour demander pour Guy Philippe capable libérer pays d'Haïti et retirer tout le monde qui trouve dans tête gouvernement Ariel Henry pour bay chance ensemble avec l'autre monde pour diriger pays a pour capable retirer question insécurité et bien non même logique ça a gagné leader plateforme révolutionnaire haïtienne Gonaïve même lui mandé ensemble avec tout le monde pour capable porter coller fermer bureau l'état et quel que soit n'importe monde tout qui a travaillé dans l'état rester la caille nous yon façon pour que révolution qui a fait là pour capable faire en bon et forme yon façon pour que tout le monde capable libérer et bien gagner tous amis internautes yon latrier monde qui t'a travaillé dans l'état qui obligé rester la caille pour jodi à amis internautes yon façon pour que eux même yon pas arriver victime de qualité et gros révolution ça qui décide fait par Guy Philippe ensemble avec toute population. Guy Philippe il te fait déclaration qu'il va gagner pour être capable entrer dans le pays d'Haïti non Port-au-Prince et bien en divers moun a manifesté jodi à tout côté en dedans Delma 33 yo te décidé amis internautes pour que yo capable et bien venir ensemble avec bambou koné tambou et tout ça qui gagne pour que capable et bien mettre regarder yo manifester pour dire ensemble avec Guy Philippe y a tenu ces révolutions qui commençait et bien autre bagala li pa l'autre c'est opération chercher vagabond opération fermer bureau l'état opération chercher ministre yon façon pour que yo capable comment capable libérer Haïti en bonne et due forme et pour yo capable fonctionner. Actualité a toujours sous plan national, ministère éducation nationale et formation professionnelle. Yo même yo décrété jeudi a gagné ministre éducation nationale là Nesmi Maniga qui fait connait année ça c'est année électique qui c'est yon cause nationale. Action ça qui c'est yon chantier et puis gros chantier qui gagne puis gros loi c'est fait l'école yo va gagner pour capable construire année 2024 là. Eh bien, côté qui a gagné 10 là dans yo, nan Port-au-Prince, nan capital principalement. Mais parmi toutes les écoles, ça y est, amis internautes, l'école ça qui va gagner pour construire, c'est un moyen pour capable aider tout maman avec un papa petit qui pas gagne possibilité pour capable vouer petit yo dans l'école privée. C'est mission ça, ministre éducation nationale là, Nesmi Maniga li bay tête li avec tout ministère pour année si là et bien gagné zami internautes en situation li compliqué et vraiment dégénéré nan li la voix j'ai situation lié nan moment n'a parlé là gagné yon série de moun qui trouvait en dedans la plaine hier yo gagné hier 10 janvier 2024 là bandi envahi zone ça côté que yo simé la trouble plusieurs moun perdit la vie et population nan gros couri ki yo même yo yé moun ki te kite ti moun ensemble avec yo c'est de personnages qui pas capable sorti yo même tout yo pas capable rentrer parce que bandi envahi li la voie en dedans la plaine la côté que divers moun rive fait voile pour payer sans chapeau et moun sa o ki rive mon ami internaute en bandi gen l'idée pour capable mettre divers yo pour bouler yo et nek sa o fait konnen ke après yo fin prend clairin yo fin prend boze ces moments yo te profiter et bien envahi population pour commenter yo capable fini ensemble avec yo et moun en dedans la voie moun qui était vivant yo lancer SOS avec la police pour comment yo capable porter coller ensemble avec yo yon façon pour comment qui est capable chapper en bas question et sécurité ça gagnez amis internautes gagnez mairie Carrefour qui prend gros disposition dans cadre et bien dans mort et ancien directeur OAV ancien directeur OAV CTA qui c'est Eli Blaise lui-même qui était directeur l'école Eli Blaise en dedans Maoutière en dans ça amis internautes lui-même qui était mort le 23
le 23 décembre qui s'est passé à côté nèg exam yo té entré la cali yo touyé là après au fin balan yon katouche nan poitrine ni li té tombé li mouri nan sa sa pour qualité gros service que gros poto garçon ça li baye nan Amérique fois nan bloc kafoua et ben gagné Jules Edouard li même li prend disposition que pour capable gagner deux gros journées d'œil qui c'est jodi qui c'est 11 ans avec demain 12 janvier 2024 là pour comment que capable porter solidarité ensemble avec un gros poto garçon ça dans sens ça depuis c'est l'école qui gagne dans bloc là yo capable fonctionner mais comme ça tout depuis il fait zone midi toute bagaille gagne temps fini toute l'école gagne temps relâché et toute activité qui gagne tout pour que même yo pas fonctionner depuis ce côté qui gagne bruit des côtés qui connent habitué gagne bruit mandé pour que capable fermer toute activité pour rendre avec gros monsieur ça yon hommage mérité et pendant ce temps gagne funérailles même qui a fait le 13 janvier 2024 qui c'est samedi et que tout le monde qui décide pour capable porter coller ensemble avec tant pour directeur ancien employé ancien directeur collègue pour capable rendre yon dernier hommage. En tout cas, situation li paraît compliquée c'est vrai mais en quoi qu'il en soit, tout le monde était connecté ensemble avec Eli Blaise, malgré lui-même, lui déjà fait voile pour pays sans chapeau. Actualité à sous plan international, Israël a massacré une autre fois encore, amis internautes en Gaza, dans le moment Afrique du Sud lui-même, lui accusé État hébreu qui desque lui-même li commet yon sel fait sous Gaza yon dossier qui devant la Cour pénale et bien après Israël lui-même li déjà fait voix de fait sous Gaza après yon la crié moun déjà mouri et bien zami internautes depuis le 7 octobre qui se passé a moun ap mouri dans Gaza et bien jodi a encore gagné li continuer à mettre pied sous cou Gaza. Et bien gagné l'Afrique du Sud malgré tout li fait connait ça c'est un gros désordre li même lié fok dirigeant qui a dirigé monde là yo capable mettre bouche dans cause pour comment capable gagner moins monde qui rivé et bien mourir dans sens ça président Donald Trump pas jambe suspend et bien marché devant tribune devant la justice et bien jodi a encore gagné ancien président Donald Trump et bien lui-même qui était décidé paraître devant tribunal dans la cour New York dans pour question fraude dans sens ça gagne comme qui déjà préparé fait connait que toi lui-même lui va gagner pour qu'il capable bayan pour capable remettre dans question fraude que lui-même l'était pendant que lui-même l'était trouvé en tant que président de la République des États-Unis. Voilà, madame, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout le temps pour ça. Yo, que nous-mêmes nous te gagnons pour nous quitter ensemble avec la Voix de l'Amérique pour plus de détails. Pour présenter un programme dans la langue créole haïtienne, jeudi à ce jeudi 11 janvier 2024, moi c'est Jacques Lambélizère, quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale, Israël pilonné encore jeudi à Gaza dans moment Afrique du Sud accusé État hébreu dès que la commission génocide dans Gaza, un dossier qui devant Cour pénale internationale là dans la haie. Ici aux États-Unis, ancien président Donald Trump était devant tribunal jeudi encore dans New York pour procès civil pour fraude. Et puis en Haïti, ministère éducation nationale et formation professionnelle décrété année 2024 là année lecture cause nationale. C'est point ça yo avec notre corps nous va le développer pour dans un petit moment actualité a mené nous d'abord dans pays là Hollande plus précisément dans la côté Afrique du Sud accusé Israël de ce que l'a commet génocide dans Gaza un dossier qui devant Cour internationale justice Valérie Saint-Louis a suivi de très près pour nous dossier ça. Please be seated. Pays l'Afrique du Sud accusé peuple Israël de zak génocide que le ta commet contre peuple palestinien. Dans ouverture audience qui déroulait jeudi 11 janvier dans tribunal Haute Cour de Justice Nations Unies à travers un dossier accusation que le présenté contre campagne militaire crasé brisée israélien été fait dans Gaza. Dans cas qui était présenté devant tribunal international justice là que relait tout tribunal mondial là, pays l'Afrique du Sud demandait une suspension en urgence dans campagne militaire peuple Israël a mené dans aux alentours territoire palestinien. Yo. Alida Hassim, défenseur gros tribunal de l'Afrique du Sud là, t'est monté au créneau. Il t'est parlé pour le dire devant tribunal mondial là que peuple Israël là commet zak qui tombait en bas définition génocide. South Africa contends that Israel has transgressed. L'Afrique du Sud fait connaître que peuple Israël là t'est violé article 2 dans convention sur génocide là.
Les li commettre Zak qui tombait dans définition génocide là. Action yo montré un modèle comportement systématique qui ka déduit qui semblait à génocide. Dans tribunal la pays l'Afrique d'ici de longue durée mais longueur sous campagne bombardement soutenu que peuple Israël a fait qui t'a touyé plus passé 23 000 moun dans petit parti périmètre Ban Gaza qui gagne une gros population moun qui vivent là d'après sa autorité la santé Hamas yo fait connait. Pendant que beaucoup côté pas peuple Israël là, yo fait qu'on est que quand l'Afrique du Sud vient présenter devant tribunal mondial là, pas gain base ni argument pour accuser le génocide. Timbeka Nkokaï Tobi, yo l'autre défenseur tribunal supérieur l'Afrique du Sud là, t'es prend la parole tout pour le dire. South Africa is not alone in drawing attention to Israel's genocidal rhetoric. L'Afrique du Sud pas pour compte li nan attirer attention le monde sous discours génocide peuple Israël là contre Palestiniens dans Gaza. 15 rapporteurs spéciaux Nations Unies yo ak 21 membres dans groupe travail Nations Unies yo t'ai averti que ça qui a passé dans Gaza assemblé au génocide qu'a fait ak yon intention claire pour détruire peuple palestinien qui en bas occupation. Peuple Israël a gagné une intention génocide contre Palestiniens dans Gaza. Ça évident dans façon attaque militaire Israël a fait. Bon côté parle, ministre de justice là, Ronald Lamola, te vin kore accusation génocide que Israël a fait sous Palestiniens. Il dit que pays l'Afrique du Sud condamné attaque Hamas te fait dans date 7 octobre là. Mais il a ajouté que n'importe attaque, même yon qui implique crime méchant, pas de justification pour violation convention sous génocide là. N'a pas rappelé que pays post aparté de l'Afrique du Sud là, te depuis longtemps à défendre cause palestinienne. Deux États yo te gentan une relation qui te forgé depuis que les organisations pour libération palestinienne avec comme leader à l'époque, Yasser Arafat t'a encouragé bataille Congrès national africain t'a mené contre domination minorité blanche en Afrique du Sud. Pendant ce temps, par dehors tribunal mondial là qui relait tout tribunal haute cour de justice Nations Unies, plusieurs milliers de manifestants pro-israéliens t'ont rassemblé et t'ont protesté. N'a précisé que tribunal international justice là, c'est principal organe judiciaire organisation Nations Unies, l'ONU, l'été établi en juin 1945 par Charte Nations Unies et tribunal là gain siège li dans palais la paix qui dans ville Hague, dans pays qui relait Pays-Bas. C'est seul dans parmi six autres organes principaux, Organisation des Nations Unies, qui n'a pas un quartier général dans New York, ici aux États-Unis. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Et malgré toute démarche, toute levée campé ça, l'armée israélienne continue à pilonner et Gaza dans moment n'a pas les là et de l'autre côté secrétaire d'État américain Anthony Blinken lui-même l'a metté fin dans environ t'a fait dans région Moyen-Orient, Proche-Orient avec un stop li fait dans Égypte puis précisément dans le Caire côté le rencontrer avec plusieurs responsables. Yon mise à jour avec Gentil Augustin Junior. Please be seated. Jeudi 11 janvier 2024 là, c'était premier journée l'audience dans tribunal justice là sous accusation Afrique du Sud contre Israël sous affaire génocide dans Gaza. Mais ça pas empêché l'armée Israël là continuer à attaquer Gaza. Et population gazaouia toujours dans gros problème humanitaire. Te gen en pile réaction bon côté supporté palestinien ak supporté israélien yo. Moi mande tribunal international justice là joigne yon solution pour nous. Nous vle yon solution. Chaque jour gen assassinat, chaque jour gen la mort, chaque jour gen massacre. Fait pression pour Israël pendant la guerre. À peine capable suivre nouvelle là dans dossier Afrique du Sud contre Israël là dans tribunal international justice là, palestinien yo te toujours espéré jeudi jeudi 11 janvier ya. L'audience ça t'a fini avec la guerre plus passé 3 mois ça et puis yo t'es capable finalement retourner la caillou. Pendant ce temps, plusieurs milliers manifestants pro-israéliens t'es rassemblés devant tribunal international justice là t'es gain idée contraire à ça Afrique du Sud accusé Israël là. If anybody did a genocide, then si gen yon moun ki te fait génocide, c'était Hamas. Et ça kap passe Israël là. Ça kap passe nan Palestine nan, c'est yon réaction que tout l'autre pays ta ka fait si propre pep yo te nan défi ça. La police te assiré marche pro israélien yon ak yon marche pro palestinien. Yon l'autre côté, Amar Yazi fait louange pour Afrique du Sud parce qu'elle était porté yon dossier devant tribunal international justice là qui était accusé Israël comme qualité commettre zak génocide dans Gaza. Ça c'est un moment historique pour peuple palestinien et pour l'humanité aussi bien que pour l'ordre mondial qui basé sous la loi. Nous dit merci à tout pays qui t'ai supporté cas ça et nous mandons yo pour yo suivre étape vaillant Afrique d'ici te prend et puis supporté cas dans commencer discussion yo sous capita. Pendant l'audience sous zak génocide yo l'ouvri jodi a, l'armée Israël l'a publié une vidéo qui montre tinel Hamas yo te konkembe otage en bas camp
sionistes dans Gaza. Yon l'autre bord, yon attaque aérien la mais Israël la, te touye 6 membres yon famille dans Gaza. Qui injustice ça y est? Timoun sa tap dormi innocemment dans yon tente, le yon te bombardel. Qui j'en injustice ça y est? Pour tout leader arabe yo. Fini ak injustice la. Suspend krasé, suspend lit la. Tout peuple palestinien yon visé. Timoun kou grand moun. Bon Dieu pral pren revanche pou mwen. La mais Israël la dit, seule façon li gen pou le défendre tête li, c'est éliminer Hamas qui t'a envahi communauté israélienne 7 octobre là. Côté 1200 moun te mouri ak 240 otages. 3 mois bombardement israélien t'a dévasté en pile nan enclave côtière. Touye plus passé 23 000 moun d'après ministère santé nan Gaza. Et puis fait en pile famille kouri kite la kayou. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci, gentil. N'a pas entré ici, aux États-Unis, et nous pralons dans New York, côté ancien président Donald Trump, t'es devant tribunal, yon l'autre fois encore, cette fois-ci pour yon fraude, c'est un procès civil. En allons à Bibri. Ancien président Donald Trump tourné dans le tribunal jeudi 11 janvier 2024 là lorsque procès pour fraude civile dans New York rivé dans bout li ak plaidoyer final yo. Procès ça que procureur général New York là, Letitia James intenté accusé ancien président républicain ak tout associé yo d'est-ce que yo té gonflé chiffre d'affaires yo, ça relé actif yo de plusieurs milliards de dollars pour joindre pi bon condition pour joindre prêt ak l'autre avantage financier pendant plus passé et une dizaine l'année. Donald Trump, qui parti favori pour joindre ticket parti républicain dans l'élection présidentielle 2024, yo, rejeté toute accusation sa yo et lui fait connaître que affaires pour sa yo, c'est persécution politique. Merci en pile. Tant que nous connaissons, moi considérer ça tant couillon chasse aux sorcières inconstitutionnelle. C'est une ingérence électorale dans pire au niveau. C'est une honte. C'est une coordination avec la Maison Blanche, avec Joe Biden, parce que n'y a pas qu'à mener une campagne comme ça doit. Monsieur Trump dénonce tout, juge là qui pas de quitter le fait, yon plaidoyer final. Vraiment vrai, hier mercredi 10 janvier, juge Arthur Engrowen, t'es rejeté tentative monsieur Trump t'a fait pour te présenter lui-même propre plaidoyer final. Yo. Après ancien président, lui-même pas de vle, respecter principe élémentaire qui interdit le fait, yon discours campagne dans tribunal là. Monsieur Trump plaignait d'est-ce que procès ça a dérangé campagne li pendant li profiter de chaque comparution dans tribunal yo pour attirer attention quelques secteurs avec déclaration incendiaire devant caméra journaliste qui yo même toujours présent dehors tribunal yo. Pour procès faute ça, l'État a réclamé environ 370 millions de dollars pénalité contre monsieur Donald Trump. Bon matin, New York Times te parlé de yon alerte à la bombe dans zone Nassau kay juge Arthur Engrowen qui toujours en bas gros critique monsieur Trump. Autorité policière est intervenue sans pas bail détail sur opération. Donc ce dossier qui dominait actualité ici aux États-Unis côté tout gros médias a fait débat sous question et puis l'autre point d'actualité c'est actualité électorale ici aux États-Unis côté dernier débat hier mercredi soit dans Iowa entre deux candidats qui étaient dans course là pour investiture parti républicain. Eh bien, débat ça te mette face pour face. Ancien ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies, Nikki Haley, et gouverneur État Florida, Ron DeSantis. Deux rivales sa yo ap goumen pour deuxième place dans le caucus État Iowa, qui pral déroulé lundi 15 janvier, qui vine là. Deux candidats rivales sa yo te voye toya yon sou l'autre hier soir côté. Gouverneur Ron DeSantis dit États-Unis pas besoin d'un candidat qui pral travail pour classe moyenne américaine. Nikki Haley bo kote parle et lance yon contre-attaque pour dire DeSantis pas même qu'à gérer campagne présidentielle liya, alors que qui Jean pou ta capable et ben gérer pays a même sous bo pali ancien président Donald Trump qui t'a participé dans yon l'autre rencontre en même temps avec débat li dit li déjà connaît qui est qui pral choisi comme colistier ou bien comme vice président. L'autre point d'actualité, nous toujours ici aux États-Unis, eh ben, gain républicain dans la Chambre qui t'emmène processus mise en accusation secrétaire sécurité nationale là, Alejandro Mayorkas. Sandra Lemire, gain détail.
républicains dans la Chambre des députés États-Unis décidé cibler secrétaire sécurité nationale États-Unis Alejandro Mayorkas que yo envisagé accusé d'est-ce que li manqué de voiler. Républicains yo dit monsieur mal géré crise migrants sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Our evidence makes it clear. Les preuves nous gagnent montrer clairement que le secrétaire Mayorkas s'est acheté avec dévastation nous constater sous frontière pendant presque 3 ans. Enquête nous menait qui est disponible pour public là et puis le fait que le secrétaire a dérefusé changer plan et puis prend décision téméraire qui rend crise là plus grave, la cause nous pas gagne aucun choix excepté pour adopter une alternative raisonnable qui s'est mise en accusation. C'est action secrétaire qui menait nous là, c'est pas action pas nous qui la cause ça. Directeur commission sécurité nationale à la Chambre, non, député Mark Green, lancé processus mise en accusation Mayorkas là, dans le moment côté gain un groupe sénateur républicain ak démocrate cap négocier sous projet loi pour sécuriser frontières États-Unis. Pendant ce temps, républicain la Chambre yo a cherché où retirer monsieur nan poste li. Député démocrate Benny Thompson, membre pi haut placé commission sécurité nationale là, opposé plan républicain. You cannot impeach a cabinet secretary. Il dit ou pas qu'à accuser un secrétaire cabinet parce que ou pas même politique président. T'es me répéter. Ou pas qu'à accuser un secrétaire parce que ou pas même politique président. C'est pas pour ça mise en accusation faite. C'est pas ça constitution en dit. Républicains ont d'accord pour faire gros dégâts dans la constitution que yo soi-disant kembe à cœur parce que yo quoi ça pral bénéficier yo politiquement. Mayorkas, bon côté pali, défend dossier li. We have established safe mobility offices to assist. Les établi bureau sécurité sécurisé pour aider migrants dans Colombie, Costa Rica, Guatemala et Équateur. Nous mettons en place processus qui permet différentes nationalités joindre secours aux États-Unis sans yon pas obligé faire voyage dangereux côté contrebandier qui a profité de yo. Nous avons un processus révisé demande sous quantité historique réfugiés dans l'hémisphère qui voulait entrer aux États-Unis. Nous retirons quantité historique migrants qui étaient entrés aux États-Unis illégalement et qui pas qualifié pour asile. Nous bail officier asile au pouvoir avec autorité pour y rendre processus pour demander asile la plus efficace. Moi entreprendre changement dans loi qui encourage migrants à suivre moyen qui sûr qui légal à qui fait dans l'ordre pour émigrer aux États-Unis. Gay un paquet l'autre bagaille encore que moi cité. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Ou souvé ou akreol ou suivi un programme nan lang kreol haïtien, actualité a nan pays d'Haïti nan anti moment. Eh oui, ça c'est Las Vegas dans Nevada, côté nous gain envoyé spécial nous Fred Kaimit qui a suivi pour nous salon CES là, CES là, n'a gain pour nous rejoindre pita dans programme là. Nous allons entrer dans l'actualité à concernant pays d'Haïti. Ministre éducation nationale là dévoilé 7 chantiers priorités pour année 2024 là parmi eux, construction yon 20aine l'école publique dans région métropolitaine là Port-au-Prince. Yves Manuel. Dans 4 chantiers priorités ça yo pour année 2024 là, premier chantier visé construire une vingtaine établissements scolaires publics dans la région métropolitaine Port-au-Prince pour accélérer la séparation de l'école fondamentale de l'école secondaire. En plus, il y a un deuxième chantier qui prévoit reconstruction d'une dizaine d'écoles publiques dans la capitale, selon le ministre Nismi Maniga. L'autre chantier qui est très important pour le ministère, c'est local. Bâtiment central, local unique ministère. Là tout, son gros nouvelle que pour le ministère a annoncé, le que toute disposition déjà prend pour que le ministère a pendant 10-15 locales encore, mais que chantier, reconstruction ministère là, chantier dans l'UODA, lui démarrer année ça. Cinquième chantier a annoncé production et distribution gratis 1 million exemplaires livres uniques en créole haïtien pour 3e à 4e année fondamentale. Année 2024 là, qu'elle également déclaré année lecture cause nationale selon ministre là. Ministère déclaré année ça son année côté lecture son cause nationale. 2024 là son année lecture et c'est pour ça
ouais, ça pas gagné longtemps, nous avons signé un protocole avec plusieurs maisons d'édition qui facilitent ça dans les 80-20. Sous chaque 100 livres que nous avons mis dans l'école, là, l'État a bâillé 80 et l'éditeur a d'accord, il a même avec l'argent dans la poche, il a bâillé 20 livres. Recrutement et formation accélérée enseignement fait partie du 7e chantier. Un chantier prioritaire, c'est remplacer enseignants qui, pour une raison ou pour une autre, pas dans le secteur encore. Ça qui partit ou ça qui quitte le secteur. Pendant la conférence pour la presse, Nesmi Maniga annonce versement frais et scolaire gratis si chéri pour Timonio a débuté semaine qui a venu là. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Pour VOA Creole. Nous parlons en canal là et construction locale pour agent Bessapio a continué dans l'idée d'après ingénieur Jean-Cyrus François pour renforcer surveillance canal là un reportage Jodelet Junior Saint-Ville. Construction yon local pour agent brigade sécurité et protégé yo Bessap commencé ça gain plus passé yon mois. Dans yon interview li bay VOA Creole ayè mercredi 10 janvier 2024 là, ingénieur architecte François Jean-Cyrus déclaré tout principe technique yo respecté pour bâtiment li considéré tant kou yon abri capable solide parce que en termes de structure en termes pour zone pour structure nous censé OK son système d'abri parce que depuis ce côté quoi le cherche son système d'abri tant qu'il y a des monde qui dit oh pour ça c'est avec bloc là nous fait système son notre faire avec ça que le béton mais non on pas fait mieux là comme ça mais moi même parce que mon façade mien là dans le média où on m'a travaille comme ça lui on mettre système ça comme ça là là déjà comprendre qui plan pour le plan B pour le pour nous l'elle bloc là là dit plan A ca tout passer on pas cabal reste façon m'a fini dedans c'est l'aime fin couvrir et puis tout qu'on a pas comprendre des journalistes ça toujours là il y a près des bagages qui gain pour passer dedans là c'est aussi ça. Poser la question, quelle capacité accueille le bâtiment? Ingénieur François te répond comme ça. Le bâtiment, ça, après le rez-de-chaussée, on a trouvé 3 étages là-dedans. 2 étages, ce sont des zones côté pour les gens capables de dormir, des soldats dormir normalement. Et puis l'autre, c'est zone d'abri même. Ingénieur architecte François a possible pour le dire. Construction bâtiment, ça, ou agent Bessapio, rentrer dans la stratégie pour toujours gagner surveillance sous canal là. D'après lui, si ce n'est pas ça, peuple haïtien a perdu canal là. Parce que ça préparé là, nous ne connaissons pas. Parce que, il y a des choses qui sont très importantes. Je suis capable de dire, si que parfait, yon sacré, yon base pour Bessap définitivement, yon zone d'abri qui est correcte, je suis capable de dire, canal a perdu, tout le million a perdu net. Et même, le système d'immigration, nous parlons de Fambal, a perdu. Qui veut dire, c'est tout ça, moi-même, mettez toute disponibilité. Et me forcer. D'ailleurs, ça, c'est un goût qui me touche pour ça, m'a fait là. Même efforcé, mais étant donné yon citoyen engagé, et puis pour nous, tout ça nous répond pour faire en bonne et difforme, au moins génération future. Ah ouais, nous-mêmes, génération 80 à continuer, nous avons des choses qui nous fait qui nous servir. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Creole. Merci Jodelet, Jodia, c'est jeudi, nous avons rendez-vous avec Cause et Femme. Et Jodia, Fred Kaimi, qui s'est envoyé spécial nous dans Las Vegas, dans Nevada, eh bien, l'a présenté nous, copropriétaire, un restaurant haïtien qui est dans Las Vegas, qui est le Bodo. On a le ça. Dans la ville de Las Vegas, il y a une petite communauté haïtienne. VOA Creole, tu chita parlé à Kirby Bodo, qui est un entrepreneur qui ouvre un restaurant haïtien pour servir la communauté caribéenne. Non, pas c'est Kirby Bodo. Je vis à Las Vegas depuis 14 ans. Le restaurant a 3 ans depuis les ouvert. Je me sers manger haïtien, jamaïcain et américain. Le matin, je viens préparer parce que le plus souvent, c'est à 4 business pick-up. Les gens sont au travail, c'est là ça vous passez pour manger. Jeune entrepreneur a dit non. Les mêmes que papa, essayer business dans l'autre état. Mais ça n'a pas jamais marché. Oh, depuis que je suis venu ici, c'est Las Vegas, c'est Las Vegas que je connais. Dès qu'on est allé dans l'autre studio pour business, mais je n'ai jamais fait business de l'autre côté que Las Vegas. Las Vegas, son côté qui est chaud, l'on fait business. Ou bien plus de chance pour réussir que ce qu'on a fait. Si tu as plus haïtien qui move Las Vegas, c'est un bon appel. Peut-être que tu as ouvert l'autre restaurant. Haïtien encore. Las Vegas c'est un stade où on fait un pile comme ce qu'on a fait. Conseil ma baie, c'est travail dur. Parce que même les business, là, ou bien doit venir voir un business,
Et puis vous pensez au réussi ou pas réussi vrai parce que un business c'est 7 jours par semaine faut pousser pour qu'a réussir. C'est ça te fait, moi j'ai 3 ans dans business là toujours. C'est parce que moi quitté vim t'a mené en mettre le sous côté et puis pour m'ca réussir dans business là. C'est ça te fait jusqu'à présent moi là. Vegas son côté ou qu'a venir investir. Si ou mettre mindset tout la donne. Non ça va faire ou quoi dans tête tout. OK. Tout ça voulait. Malgré difficulté que bi ak fami la rencontré, yo pa lagué, yo persévéré parce que yo gen un rêve, c'est pour business ça tourner un héritage dans famille. Li son business familier, nous kembel dans famille. C'est grand pile obstacle. Moi même ensemble avec papa moi, côté que nous pa ka kembel kob parce que toujours gen bill k'ap vini, toujours gen faut nous fait ça, faut nous fait ça. Ça gen doit finir là, nous penser nous bon souffle et puis autant de kob ap dépenser. So nous pa prend ça pour rien, nous juste quitter business là camper parce que Bodo c'est last name nous voulons last name ça vini en legacy. C'est ça de faire nous pousser pour nous faire un business là. Rêve famille, c'est pour ouvrir l'autre restaurant dans l'État qui tout près, tant que Los Angeles à Utah. C'était Fred depuis Las Vegas, Nevada, pour VOA Creole. Merci Fred, n'a quitté Las Vegas, nous pour aller dans pays Chili côté communauté San Ramon, honorer quelques haïtiens pour contribution dans société a John Caniglia, gain détail. Nous retrouvons dans la commune San Ramon, département sud, capitale Chili. Magistrat Gustavo Petro, qui est en tête mairie depuis 18 août 2021, montrait si Paul à la communauté haïtienne et commémoré dans le mois de janvier. Sila. Nous saluons depuis la commune San Ramon à travers le bureau de migration, nous reportons avec tout étranger. Et je dis à la, nous célébrons le jour haïtien et directement qui est en communauté qui est très fort. Dans la commune Sila, il y a un pile, c'est dans le jour d'indépendance, nous comptons en présence dans la commune là. Et qui sont en grand force tout pour la commune avec contribution. Notamment, mais on continue comme ça, tradition, couleur, musique, avec manger, etc. Donc, nous saluons ici, on joue comme ça, on joue qui est spécial. C'est un grand apport pour notre commune à travers ses traditions, colores, comida, musique, qui nous enrichissent la vie. Responsable migration, Meria Mathias, fait connaître que c'est un jour qui est important et le prêt pour aider les migrants dans les affaires papier, qu'on s'en sky et la trier. Comme ça tout, yo te profité reconnaître j'ai fait plusieurs femmes voyantes dans commune là côté yo te diplômé yo. Aujourd'hui est vraiment important parce que c'est toute première fois dans la commune il y a commémoré avec la communauté haïtienne. Pas oublier tout janvier, c'est mois d'indépendance. Première autorité commune, le magistrat Gustavo, répond qu'elle a supporté et promet la communauté que ça va bien aller mieux pour eux. Et à travers David Antoine, qui fait partie de Migrant 3, nous demandons plus de ressources pour la communauté. Pendant que nous n'avons pas de papier, nous maltraitons notre travail. Pendant que nous maltraitons notre travail, parfois nous n'avons pas quitté le travail, nous acceptons. Mais à la que nous avons une communauté qui est ensemble avec nous, nous disons, nous sentons nos bonnes forces avec Mathias Capé des immigrants, nous disons, avec tout ça, nous disons merci. C'est un ambiance serein et fraternelle sans pareil, en basson hymne national là. Haïtien a passé un bon moment dans la commune San Ramon. Caniglia John depuis Santiago du Chili pour VOA Creole. Nous avons toujours dans la diaspora et nous prenons dans New York. Côté communauté haïtienne, nous avons choisi de saluer 220e anniversaire indépendance pays d'Haïti hier mercredi à Glorieuse Nelson. Haïtiens dans New York continuent à célébrer 220 l'année indépendance pays d'Haïti. Dans la date 10 janvier 2024, là, plusieurs conseillers municipaux ville-sila organisaient une cérémonie officielle dans le local Council Chambers qui est situé dans Manhattan. Amis conseillers qui mettaient l'événement-sila sous pied, gagnaient qui gagnaient 100 Haïtiens qui ont coulé dans 20 yo. Nous avons cité Farah Louis, Mercedes Narcisse ou sinon Rita Joseph.
Madame Joseph représente 40e district dans Brooklyn, l'a expliqué objectif cérémonie si là. Et son fierté lié pour nous pour la première fois pour nous 4 haïtiens en dans et council là. So nous mettons tête nous ensemble comme drapeau nous dit l'union fait la force, nous mettons tête nous ensemble pour nous célébrer 220 ans indépendance maman Haïti. Nous comptons pile pour nous communauté a sorti en foule en grand nombre pour venir célébrer indépendance pays. So c'est un plaisir pour me audience en plein, et venir moi mon a manger, y a parler, nous était bien content, y a chanter tout et pour nous faire songer que Haïti toujours sous cœur nous, que nous pas là nous pas en dedans Haïti mais petite Haïti dehors, que Haïti toujours sous cœur. Organisateur ont profité honorer 4 membres dans communauté haïtienne pour service yo offri. Roberto Samedi, Dr Michel Osechal, Johanna Bosquet et Jeff Lindor, c'est non personnalité ça yo. Nous avons eu la chance de parler avec Johanna Bosquet qui bâti carrière dans la santé communauté. Je me sens bien, je suis content. Je me aide à mon ici. Il y a plusieurs personnes qui sont entrées à New York qui ont besoin d'aide. So, il y a plusieurs personnes qui sont entrées à New York. Là, ils parlent en série de côté. Ils ne parlent pas les créoles. Ils ne connaissent pas comment pour dire qui ça a besoin. And, je suis content de m'aider, je suis content d'asseoir, je suis content d'avoir ça parce que ça m'a fait juste aider les gens et pour y avoir, m'a aider les gens bien, aider les gens pas moins, je suis content. Plusieurs performances artistiques t'as pas complété la cérémonie ici là. Parmi les performances, nous sommes capables de citer l'artiste Felina Baker qui t'a chanté l'hymne national haïtien, Anjou Hippolyte et chanteuse Riva Priscille. Glorieuse Nelson Pouvéoua Creole, New York. Et c'est avec reportage Glorieuse Nelson que nous avons mis fin dans le programme. Nous voulons saluer tout le monde qui était mis ensemble pour réaliser le programme, ça, notamment bons amis Haïti, Franklin, thank you so much. Et nous remercions l'autre bon ami, nous, encore Rob McLean, Samblier Neglakay, en parlant de gentil, Augustin Junior. Et nous remercions tout l'autre monde, très naturellement, chef service là, Sandra Lemaire, et tout l'autre monde qui était branché dans le moment ça pour te suivre VOA Creole. C'est un plaisir, comme d'habitude, et nous pourrons rejoindre même plaisir là demain encore le nous retourner pour nous capable présenter une autre édition rendez-vous. Moi c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir.